Novi tužni dan, nikome nije lako doći u Vukovar, a posebice onima koji su u Vukovaru i na Ovčari izgubili svoje najmilije. Jedna od njih je i moja sljedeća sugovornica, a to je majka vukovarskog heroja, hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicolija, Lilian Fournier. Gospođo Fournier, dobar vam dan. Dobar dan. Jeste li očekivali da će nakon 28 godina da ćete doći u Vukovar i da i dalje nećete znati gdje je vaš sin? Est-ce que vous attendiez à venir après 28 ans à Vukovar et ne toujours pas savoir où est votre fils? Je n'ai jamais quitté Vukovar depuis plus de 10 ans. Je suis rentrée en France afin de me faire opérer, mais autrement je suis toujours revenue. Et maintenant je suis résidente croate pour 10 ans. Voilà. Ona se vratila. Mais bon, bah, j'ai l'espoir de retrouver un jour mon fils grâce à... Ah, je vais traduire. Ona se vratila inače prije 10 godina, je došla, pardon, prvi put u Hrvatsku i od tada ona živi u Karlovcu i često ona dolazi u Vukovar, to nije prvi put, bila je već tu prije 9 godina i ona uvijek čuva nadu da se nađe tijelo od Jean-Michela i posebno u suranju sa ministrom Medvedom. Hrvatska, Francuska, Srbija su pokrenule istrage za zločine na Ovčari. Imate li možda neke nove informacije po tom pitanju? France, la Croatie et la Serbie ont commencé donc une procédure judiciaire pour notamment pour la recherche du corps. Est-ce que vous avez de nouvelles informations? Normalement, nous devons retourner mon fils ou moi ou mon fils et moi à la fin de l'année et rencontrer le juge. Puisqu'on a déposé une plainte, ça a mis 3 ans pour arriver auprès du juge. Et maintenant, c'est parti. Et puis, on va voir. Le juge bon, qui s'est occupé de l'affaire en premier, que j'ai rencontré, il a été nommé à Marseille. Donc, c'est une collègue qui l'a remplacé. Elle est venue, elle est allée en Serbie. Je pense qu'elle est venue aussi en Croatie. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles. Et donc, à la fin de l'année, je vais retourner. Mais je fais confiance à Monsieur le ministre Medved, qui était un homme exceptionnel, qui fait le maximum. C'est dommage que ses prédécesseurs n'aient pas fait la même chose, parce que je suis persuadée qu'on aurait retrouvé Jean-Michel depuis un certain temps. Là, ça fait 28 ans, ça devient de plus en plus difficile, mais l'espoir fait vivre. Voilà. To znači, istina je da Francuska je počela procedura, ima pravni pristupak u Francuskoj, postupak, pardon, i gospođa Lilian je prošla godina se susrela u Parizu za sudcem, sada to je nova sutkinja koja procesuira, a inače ona je zadovoljna što se tiče bliska suradnja između Francusko ministarstvo pravosuđe i Hrvatsko ministarstvo pravosuđe. Oni su se susreli već nekoliko puta, a za 2 mjeseca Lilian ide ponovo u Pariz da ona vidjeti kako su novosti, a i istina da Francuska sada maksimalno isto se angažira da se nađe tijelo Jean-Michela koji je imao francuski državljanstvo. Naravno, francusko pravosuđe ne može procesuirati za hrvatski nestali, ali za Jean-Michela ona može. Nažalost, zna se ko su bili ljudi koji su počinili zločine i u Vukovaru i na Ovčari. Zna se ko je ubio Jean-Michela. Nadate li se možda da će ipak on biti priveden pravdi? Il est fort possible qu'on sache qui a assassiné Jean-Michel. Espérez-vous qu'un jour il soit extradé? Ah ben j'espère bien. Et qu'il prenne le maximum. C'est un peu comme les militaires qui ont extradé les malades et les militaires qui étaient blessés, comme mon fils de l'hôpital, alors qu'ils avaient donné leur parole. Ils allaient que l'ONU, l'Amnesty International, pardon. Mm-hmm. Donc, imamo informacije tko bi bio ubojica od Jean-Michela i ako se potvrdi, naravno, Lilian očekuje da bude izručenje ili prema Francuskoj ili prema Hrvatskoj i da on
dobiva kaznu kako je zaslužio, a ne samo naravno za ubojice od Jean-Michela, ali za sve koje su ubili na ovšari. E Lilian uvijek isto spomenuje ove silovane žene, isto koje su ponekad zarobljavljene, i da ona se nada da isto to će biti sve što je potrebno na pravni način. Treba li Srbiji blokirati ulazak u Europsku uniju dok se ne izruče ti zločinci? Est-ce qu'il faut bloquer l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne jusqu'à temps qu'il n'ait pas livré les criminels de guerre? Oui, pour moi, il y a trois choses à remplir. Non, c'est bon. Un, qu'il nous donne les responsables de l'armée yougoslave qui a fait tant de mal. Pour le moment, ce sont les petits sans-grades, à part Malik et Radnic. Mais là, j'espère. Deux, qu'ils indiquent où se trouve l'emplacement des charniers, parce qu'ils le savent. Et trois, qu'ils payent les dommages de guerre à la Croatie. Voilà. Et là. Naravno da treba blokirati ulazak od Srbije u Europske unije dok nisu dali informacije gdje su masovne grobnice, a od sve nestali, dok Srbija ne izručuje, onda napravi izručenje od sve kriminalce, ratni kriminalci, i dok isto Srbija ne se ispričava i ne plaća što treba kao agresor na Hrvatsku od 1991. Ako nema sve ove uvjete, Lilian smatra da nema mogućnosti da Srbija ulazi u neki demokratske zajednice što je Europska unija. Trouvez-vous normal que ces militaires qui ont été jugés au tribunal de La Haye aient pris 10 ans de prison? Ils sont responsables de 260 morts. Ça fait pas beaucoup tout de même. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un président serbe, Boris Tadic, qui est venu, qui s'est rendu à Vukovar, demander pardon, se recueillir à Ovčara. C'est tout à son honneur. C'est le seul. Voilà. Ona nije zadovoljna, naravno, kako je završio suđenje la u Hagu, za posebno za oficiri, takozvani oficiri JNA, koje su danas šetavila u slobodu u Srbiji, i ona je željela reći da treba neki pravni postupak tražiti sve odgovorni ljudi za Ovčari, ne samo teritorijalci četnici, ali isto i možda najviše oficiri JNA koje su zapovjedili da se radi isto taj ubojstvo u Ovčari. I ona se nada da ovi koji su danas u slobodi u Srbiji jedan dan ipak će se suditi kako treba. Samo kratko, gospođo Fournier, prije 4 godine se došlo neko vrijeme živjeti u Hrvatskoj. Zašto ste došli živjeti u zemlju za koju vas vežu tako tužna sjećanja? Vous êtes venu habiter en Croatie il y a quelques années. Hmm? Pour quelles raisons êtes-vous venu vivre ici, là où vous avez tant de souvenirs les plus abominables? Parce que je me sens près de mon fils, que les Croates sont d'adorables personnes. J'essaie d'apprendre le croate sans résultat, mais là je vais prendre des vitamines et je vais m'y mettre. On a inače, to je puno tužni naravno spomeni u Hrvatskoj, ali ona se osjeća tu u Hrvatskoj kao svoju novu domovinu, zato što njezin sin je dao život za Hrvatsku. Ona smatra da ona mora biti blizu sina i ona želi ostati tu do kraja njezinog života. I nakon tog dana ona se nada gdje će se naći tijelo Jean-Michela, ona će ostati dalje do kraja u Hrvatsku. I ona će učiti hrvatski jezik, ali ona kaže da je težak jezik. Je trouve un seul défaut. Les habitants de Croatie, ils sont passifs et ceux qui sont en face d'eux ne le sont pas. Alors qu'ils fassent attention. On a samo savjetuje da budite uvijek oprezni, da hrvatski narod ne bude pasivan ili na vlasti i da
tu ima na 30 km možda neki ljudi koji nisu baš za mir. Samo je poruka koja vam daje. Hvala vam svima i puno sreće vam želim. Poštovani gledatelji, da je Jean-Michel Nicolier preživio strahote Vukovara, danas bi imao 53 godine. Njegova majka, njegov je posljednji osmijeh vidjela na video snimkama iz Vukovarske bolnice. U idućim minutama pogledajte emotivno pismo koje je poslala svome sinu Jean-Michelu za rođendan koji nikada nije doživio. Je savais que ça allait être dur, mais pas autant. Surtout pour les civils. Moi j'étais volontaire pour venir à Vukovar. Je suis là, j'y reste. Pour les meilleurs, pour les pires. Pourquoi volontaire? Parce que je pense qu'il faut les aider. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi leur côté. Tebi, moj sine, Jean-Michel. 1. srpnja 2019. imao bi 53 godine. U studenom će proći 28 godina otkako tražimo 63 nestala tijela mučenika s Ovčare, bez uspjeha. Prokleti rat. Dio mog bića, uključujući razum, otišao je s tobom. Tvoja prisutnost, tvoj osmijeh, tvoja ljubaznost, naši razgovori, sve to čini tvoju odsutnost teškom. Jednog bića nema i sve je pusto. Što se mene tiče, upravo je tako. Stalno si sa mnom. Susrećemo se jednog dana, ako Bog da. Mama. Plusieurs fois, m'a proposé de rentrer en France ou de sortir tout du moins de Vukovar. Je suis resté. Pour vous, enfin, Vukovar, ça symbolise quoi exactement? Une boucherie.